Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Alors, tout simplement, donc là, oh bah il pleut. Nickel, on n'aura pas besoin d'arroser. J'aimerais aller chez Pierre pour récupérer des choses. Non, 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 non. Les melons ne sont toujours pas ramassés. Ok, ici on peut toujours rien ramasser. Ok, ça marche. Alors là, moi ce que j'aimerais clairement, c'est aller voir combien ça coûte pour avoir un poulet. Et j'aimerais aller discuter avec Marnie parce que je soupçonne... Marnie, elle aime bien parler avec le maire, etc. Donc je soupçonne quelque chose entre elle et Lewis. Et je me dis que peut-être qu'elle aura la réponse au souci du caleçon du maire. C'est parti. Donc on va aller chez Pierre. Mais chez Pierre, c'est où? 29h. Il est déjà 7h. Ah, bah écoutez, il y a un petit truc là qu'on pourrait vendre. On va le ramasser. Là également, il y a un raisin. Et il fait de l'orage. Alors, donc j'aimerais vraiment planter mon blé là tout de suite parce qu'il pleut. Il faut en profiter pour utiliser notre énergie pour autre chose. Donc j'ai vraiment l'impression de m'être foiré au niveau des chauves-souris. Je suis un peu déçue. J'aurais dû m'y prendre autrement, très clairement. Donc, Pam assoiffée. Donc je ne sais toujours pas comment on fait de la bière. Sur internet, j'ai rien vu d'extraordinaire. Voilà, j'aimerais m'occuper de la récompense du caleçon du maire. Au moins, ça sera good et on sera tranquille. Alors, le petit pont, s'il vous plaît. Par là, par là. Il faut passer les égouts. Allez, allez. On va faire un tour sur la plage, tant qu'à faire. De toute façon, il faut attendre que Pierre ouvre, pas Lewis. Tac, tac, tac. Alors, il y a quelque chose de neuf ici. Bonjour. Il y a des mouettes. Wouhou! On va les faire fuir. Voilà. C'est mon passe-temps favori, vous voyez. Faire fuir des mouettes. Tout va bien. Hop. Y a rien, sérieusement? Non, mais vous êtes pas sympa. Ah, du corail. Bon, c'est pas la folie, le corail. Mais bon, écoutez, ma foi. Alors, lui, il faut pas lui parler. C'est un enquiquineur. Il nous sert à que dalle ici. Sur cette terre. Tac, 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 tac. Alors, c'est parti. Il est 9h. Ah, nickel. Trop bien. Wow! C'est quoi ce temps pourri? Un lingot d'or? Ah, j'ai que du cuivre, j'ai pas d'or. Ah. Bah, désolé, mais j'ai pas d'or. Alors, il a le problème. C'est que je voudrais bien, mais j'ai pas d'or. Hop! Alors, nous, on veut du blé. Alors, on va en prendre. Ouais, 30, ça me paraît pas mal. Il nous faudrait des arbres. Pommier. On va prendre un peu. Ah, purée, oh oui, c'est cher les arbres. Oh, j'avais pas fait gaffe. Autant pour moi. Bon. Hello, tu t'es un peu foiré, va-t-on dire. Des myrtilles, j'ai dû en planter en vrai. 13 jours de pousse. Bah, on va en prendre une dizaine comme ça, écoutez. Le blé, ça pousse en 4 jours. Alors, c'est parti. Au revoir, Pierre. Bonne journée. Bon, bah, écoutez, on va mettre notre pommier déjà, ce sera déjà cool. Mais ouais, l'histoire du lingot d'or, il faut descendre beaucoup plus bas dans la mine et j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'aller voir au niveau de la ferme combien ça coûte pour avoir un poulet et j'ai envie d'aller discuter avec Marnie, faire connaissance avec Marnie tout simplement pour essayer de rentrer chez elle et fouiller chez elle. Il va falloir qu'on arrive à faire la quête de Pam par rapport à la bière. Non, hello. Je sais pas pourquoi je voulais rentrer à l'intérieur. Wow! Alors, on peut pas poser nos arbres comme ça. Sur la terre labourée non plus. Alors, est-ce qu'il y a un truc spécial pour mettre les arbres? Hop, conserve, mayonnaise, fromage. Hop, clôture. Je vois rien par rapport aux arbres. Arroseur de luxe. Lingot de fer, or et quartz raffiné. Et je pense que ça va être lui le super arrosoir. Eh ben, les amis, je vois pas du tout comment faire pour les arbres. Ah, c'est chaud là. Parce que quand même, je viens de dépenser pas mal d'argent pour ça.
Écoutez, on va planter ça rapidement. Ah, oh, punaise, il m'a enlevé tout ce que j'avais labouré. T'es sérieux? Du coup, on a perdu nos fertilisants. Non, non. Oh, punaise. Je me déteste là tout de suite. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Ah, ça plaisante pas l'orage, hein. En tout cas, dans ce jeu, hein. Alors, on plante tout ça. Écoutez, on va mettre les trois derniers là où il y a du fertilisant ici. Non, 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 on s'en fout de ça. Hop. Voilà. Par contre, ouais, du coup, l'huître. Ça, je peux le mettre à vendre. Ok. Et le pommier, bah, il va falloir que je regarde de mon côté, que je cherche un peu sur le wiki parce que là, ça me paraît complexe. Bon, je descends chez Marnie, c'est mon objectif. Je veux aller parler avec Marnie. Déjà parce que j'ai besoin de quelque chose à sa ferme. Puisque j'ai besoin de poulet. Donc déjà, premièrement. Et ensuite, parce que, ouais, elle aime bien les whis, la petite Marnie. Donc, j'ai vraiment envie de trouver son caleçon au maire. Pas m'assoiffer ensuite, il va falloir que je trouve. Et après, bah, c'est la mine. Donc la mine, bah, on essaiera d'y retourner. Écoutez, dans le prochain épisode. Pour descendre de 5 niveaux. Mais voilà, on y a été au dernier épisode. J'ai pas envie de faire ça dans chaque épisode. Parce que sinon, enfin, clairement, vous avez passé votre temps à me regarder combattre des slimes. Donc on peut pas trouver ça très kiffant. Et j'arrive jamais à me situer sur cette fichue carte. Allez! C'est vraiment complexe de se retrouver dans cette. Pourquoi on entend des bruits bizarroïdes? Je ne sais pas. Hop! Alors c'est parti, on y va. Bah ça je prends. Alors où est-ce qu'elle est? Ah voilà, c'est là la ferme. Alors est-ce qu'on va croiser Marnie ou pas? Yes! Salut Marnie! Pourquoi j'arrive pas? J'arrive à rien faire ici, c'est normal? Salut, besoin de quelque chose? Je vais sûrement proposer d'autres espèces d'animaux à l'avenir. Ok. Mais je dois m'assurer que tu puisses les accueillir. Tu vas donc d'abord devoir prouver que tu es capable de t'en occuper. Ok. Contente-toi de traiter tes animaux avec respect et de bonnes choses arriveront. Ok. On peut plus discuter avec elle? Eh ouais, il y a le caleçon de Lewis là-bas. Vous n'êtes pas assez amis avec Marnie. Ah, je ne dois pas parler aux étrangers. Ah ouais, c'est elle, la petite peste, je l'aime pas. Merci. Vous n'êtes pas assez. Ah, le caleçon, il est chez elle, les amis, mais purée! Ah, faut qu'on ait des liens sociaux avec elle. Ah, faut que je trouve. Alors, allez où, Marnie? J'ai offert un cadeau. Ok? Donc, j'ai une croix. Ok? Donc, il me faudrait une deuxième croix. Pour que je sois. J'ai un cœur avec Marnie, histoire d'être amie avec. Donc il va falloir attendre parce qu'on peut pas faire ça tous les jours. Par contre, ouais, comment ça se passe pour avoir des animaux là? Ah, acheter animaux. Nice. Bon, on va pas être très original, on va l'appeler Poulette, écoutez, hein. Hop. Super, j'envoie la petite poulette à sa nouvelle maison tout de suite. Merci Marnie. Bye bye. Alors faut qu'on lui offre un autre cadeau à la petite là, histoire de pouvoir après rentrer chez elle et récupérer le caleçon de Lewis. Bon, au moins on sait que c'est elle qui l'a, écoutez. Maintenant il reste plus qu'à patienter pour pouvoir le récupérer. Mais en attendant, voilà, on va regarder, on est dans le coin. Hein, il y a des petites choses à ramasser, donc ça je le fais avec plaisir. Ouais, on va essayer d'être amis avec Marnie, écoutez. Ah, j'en reviens pas, c'est elle qui a le caleçon de Lewis, quoi. Bon, en même temps, elle a grave en kiff sur le maire, hein. On va pas se mentir, ça se voit. À chaque fois qu'il y a une fête et tout, voilà, elle veut être collée serrée avec Lewis, va-t-on dire. Donc, ça veut tout dire. Ah. Je veux passer là-bas, s'il vous plaît.
Je ramasse ça. Alors, on va retourner à notre ferme. Vous savez quoi? Je vais essayer de voir de mon côté pour voir un peu comment ça se passe pour la bière, l'histoire de la bière. Parce que c'est. J'aimerais bien faire vraiment les quêtes parce que ça peut nous rapporter pas mal de points avec les habitants. Et voilà, ça nous permet de connaître un peu les habitants. Et c'est plutôt cool. Hop! Ah, il va falloir que je fasse un chemin mieux que ça pour pouvoir. Hop! Je suppose que j'avais déjà cassé tout ça et que ça repoussait. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un chemin en dur, on va dire. Bon, au moins on a du foin, on va pouvoir nourrir notre petite poulette, va-t-on dire. Tac. Donc j'ai même pas vu combien ça coûtait au final. La poule, j'ai même pas regardé, vous savez quoi. On récupère rien ces trucs, hein. Toi, ça fait un moment qu'ils sont là. Bon, bah écoutez, il faut que j'arrête d'espérer avoir quelque chose. Tac, tac, tac. On va aller voir si Poulette est là. Salut! Ah, mais oui, elle est là! Ah, Poulette a l'air curieuse, mais tout de même prudente. Elle s'habitue à sa nouvelle maison. Comment on fait? On peut pas la nourrir? On peut pas lui donner à manger? Ah, les amis, je suis. Ah, si, on peut lui donner à manger. Oh, c'est trop cool, on peut lui donner à manger. Alors. On peut pas lui donner? Non? Hop, voilà, c'est bon. Donc, on s'en va. Écoutez, Poulette a à manger. Elle a un petit habitacle. Notre chien, il n'a pas eu d'eau depuis je sais pas combien de temps. On peut pas dire qu'on souhaiterait, s'occupe très bien de lui. Alors, on lui met à boire. Par contre, ouais, la grotte là, elle me rapporte que dalle. Hein, c'est horrible. Hein. Ah, Marnie, elle a le caleçon du maire. Ça me saoule parce qu'on peut rien faire. Alors, je déblaye un peu, vous savez quoi? Parce que ça me saoule de devoir jongler entre tous les trucs à chaque fois que je veux aller à la grotte. Ah, je pense que j'aurais dû choisir les champignons. Je suis déçue. J'aurais dû faire un meilleur choix en vrai. Parce que là, j'ai l'impression que les chauves-souris, ça va pas me mener à grand-chose. Allez, go! Ouais, ça serait probablement moins rentable que les champignons, peut-être, je sais pas. Ah, ceux qui ont déjà joué, franchement, donnez-moi des conseils si vous en avez, parce que clairement, c'est. Je trouve ça assez complexe à prendre en main. C'est compliqué. Hop. Ça, et c'est tout. Le reste, on garde. Hop, parce que le bois, clairement, on va en avoir besoin. Ah, on a récupéré pas mal de bois depuis l'autre jour, c'est plutôt bien. En vrai, ouais, il nous faudrait d'autres glands pour faire des casse-croûtes. Je vois pas quoi faire de plus là à l'heure actuelle. Je vais faire une analyse pour essayer de voir par rapport à l'histoire de la bière. Les amis, on se retrouve sur cet écran tout simplement parce que j'ai regardé. Donc, pour faire la bière, il faut être au niveau 8 au niveau du farming. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut être au niveau 8 au niveau des compétences, au niveau de l'agriculture. Donc on est au niveau 6, nous, donc on a déjà débloqué pas mal de petites choses. Donc il faudrait qu'on crafte un peu les trucs que l'on doit crafter. Donc là par exemple, il nous faut du cuivre pour chaque truc, du bois massif, du bois et de la pierre. Donc on va essayer de se crafter toutes ces petites choses, histoire de pouvoir avancer dans notre aventure. Parce que l'air de rien, voilà, on n'a rien crafté depuis le début quasi. Donc il faudrait peut-être s'y pencher. Parce que ça pourrait être intéressant pour nous rapporter de l'argent. Donc on n'a pas assez de bois massif. Donc écoutez, il faut qu'on en trouve des souches. Il y en a là. Hop, il fait un temps monstrueux. Hop, donc hop, il va nous falloir encore du bois massif. 8, à chaque fois on en obtient 2. C'est très très bref, va-t-on dire. Alors, on va dégager un peu ça.
Hop. Il faut qu'on progresse dans ce jeu parce que enfin, j'ai l'impression de stagner un peu et c'est ça qui me gêne. Hop. Allez, vas-y, hello. On peut y arriver, les amis. On va le faire. Voilà. Pas de panique. On va y arriver. Wouh! Alors, IRL, je suis pas quelqu'un qui a peur de l'orage, mais dans le jeu, j'aime pas trop. Ça me perturbation. Du coup, ouais, il nous faut du cuivre. Donc, c'est ça qui nous manque, là, du cuivre. Alors. Toi, tu vas me laisser tranquille. T'ouvres ça. Donc, on a de quoi faire du cuivre, mais on n'en a pas encore sur nous. Ok, très bien. Allô? Ah oui, il faut cliquer avec le cuivre. Voilà. Vous savez quoi? J'ai envie de le retirer ce four parce que franchement il me sert à que dalle. Tac tac tac. Salut le four. Et c'est quoi le temps que le four cuise? On va essayer de déblayer un peu ça. Parce que j'aime pas, je trouve vraiment que la ferme est moche là, à l'heure actuelle et il faudrait vraiment qu'on améliore ça. Tac, on va en mettre un autre à cuire et on va pouvoir crafter quelque chose. Alors, nickel, on peut faire ça. Donc, est-ce que je peux la mettre où je veux? Non. Ah, si, j'ai pu la mettre là. Alors, je ne sais pas comment on s'en sert, très clairement, pour le moment, hein. Transforme le lait en fromage. Donc, il va nous faire des vaches. Transforme les œufs en mayonnaise. Ok, donc ça, c'est plutôt cool, on va pouvoir l'utiliser. Bague à conserve, transforme les fruits en gelée et mets les légumes en conserve. Ok. Ok. Et comment va Poulette? Mais on n'a pas été la revoir, Poulette. Salut Poulette! Est-ce qu'elle se plaît dans ce nouvel? Ah, elle essaie de dormir. Ok, on va laisser dormir. Bon, bonne nuit Poulette! Ça me fait tellement marrer. J'aurais peut-être dû trouver quand même quelque chose de plus original. On va pas se mentir. Tac. Donc on va pouvoir crafter le truc de mayonnaise. Et ça veut dire que dès que Poulette aura grandi, on pourra faire de la mayonnaise. Donc, ah mais. Hop! Faut vraiment qu'on arrive à développer notre ferme et qu'on arrive à s'en sortir un peu plus parce que c'est vrai que c'est dommage. Et il va falloir qu'on descende dans la mine, il n'y a pas photo parce que va falloir faire l'arrosoir de niveau supérieur, va-t-on dire. Et j'ai hâte, très clairement. Hop. Alors, hop. Artisanat, donc. Ah, cristal de terre, pardon. Alors, ma voix qui est en train de partir, donc je suis toujours un petit peu plus ou moins malade, va-t-on dire. Cristal de terre, voilà, on en a un, c'est bon. Bon, je sais pas si c'est bien de les laisser dehors, mais écoutez. What? Je comprends pas trop. Il y en a que je peux poser dehors, d'autres que je peux pas. Enfin, je comprends jamais cette histoire. Ok, donc je peux rien. Je peux pas le poser ce truc. Bon, bah écoutez, on a crafté les trucs. Maintenant, il va falloir apprendre à s'en servir. Ça va être une autre affaire. On va pas se mentir. Mais on peut y arriver, en tout cas. Je suis de bonne volonté, va-t-on dire. Hop, alors on va mettre ça là-dedans. Donc le cuivre, on va se le garder parce qu'on aura besoin à un moment donné, c'est sûr. Bah écoutez, on n'a plus d'énergie, il est minuit 30. On va aller dormir pour cette première nuit. Et au niveau des quêtes, on va le caleçon du maire. Bah ouais, il va falloir donner une autre chose à Marnie pour devenir vraiment amie avec elle et pouvoir rentrer chez elle. Je suis en joie, à l'idée. Mais écoutez, c'est comme ça. Alors, on s'est fait un petit peu de pognon. C'est pas fou, fou. Jour 19 de l'été, j'espère vraiment que tout ça va finir par pousser là dehors. Alors. Ah, un courrier. Oh! Notre première tomate! Non! Alors. Hello, j'ai lu un article qui parlait de toi dans la presse locale. Je suis impressionnée par tes progrès à la ferme. Continue comme ça et ton vieux père pourra passer sa retraite dans un bungalow de luxe sur une île sous les tropiques. Je t'aime, papa. Wow. On a un courrier de notre paternel. Alors, bah écoutez, première chose à faire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà d'arroser tout ça. Donc, on sait qu'il faut être niveau 8 au niveau farming pour pouvoir faire la quête avec Pam.
pour Marnie, je sais pas si on va pouvoir lui donner un autre cadeau aujourd'hui. On va essayer. Mais voilà quoi. Au moins on sait où est le caleçon déjà. Et maintenant il faut réussir à appâter Marnie, va-t-on dire, pour pouvoir être ami avec. Je trouve ce jeu vraiment extra. Il me fait bien marrer. Tac. Alors je vous retrouve après, j'arrose tout ça. Les amis, j'ai tout arrosé. On a eu un houblon, mais je comprends pas pourquoi on n'en a pas eu d'autres, parce que j'avais tout arrosé. Donc la tomate, je sais qu'il nous la faut pour une des quêtes au niveau des Juminos, au niveau du centre communal, donc on va en garder une. Ensuite, du coup, faut qu'on aille voir Marnie. Mais qu'est-ce qu'on va donner à Marnie? Je crois que j'ai donné un pot de santé la dernière fois. Et si je tentais de donner une Ardizi? Attendez. Eh, écoutez les amis, on va tenter de donner un quartz à Marnie. Voir, écoutez ce que ça donne. Clairement, j'en ai aucune fichue idée, mais là, je suis à court d'idées. On va pas se mentir. Alors, écoutez, on va aller voir Marnie. C'est parti. Moi qui pensais avoir fait un chemin, bon, en fait, toujours pas. Oh là là, mais laissez-moi passer. Je vais devenir chèvre. Après, il faudra qu'on aille voir Poulette aussi. C'est vrai, il faut qu'on aille voir Poulette. Allez, on va aller chez Marnie, on va essayer de voir si on peut lui donner à nouveau un cadeau aujourd'hui ou s'il va falloir attendre une autre journée. J'espère qu'on va pouvoir, les amis. Parce que... Salut Marnie! Donc c'est... Ah, c'est 800! Ah bah j'en veux une autre, moi! Ouais, un pet chicken! L'originalité incarnée. Hop. Ok, alors, on va passer derrière le comptoir. On va prendre ça. Merci. Le soir, tu peux généralement me trouver au bar. Ok, les animaux sont de très bons compagnons, mais j'ai besoin de passer du temps avec des gens avant. Ok. Est-ce que... Vous n'êtes pas assez amis avec Marnie? Ah! Les gens, c'est chiant. J'ai donné deux cadeaux, donc là, il va falloir que j'attende. Oh, punaise. Il faut qu'on aille au bar le soir pour parler avec Marnie. Oh, punaise. Les gens, on va devoir devenir dissidents et on va devoir aller faire les bars. Oh là 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 là. C'est nul. Bon. Du coup. Bah, on va aller en ville. Ouais. On va aller en ville, on va aller sur la plage. Ah, j'aurais dû prendre mes géodes. J'en ai plein à ouvrir. Ah, j'étais bête. On est où, là? Ouais, j'ai l'impression de piétiner au même endroit. Ça faisait bizarre. Je me souvenais pas que les arbres étaient comme ça. C'est certainement à cause de la saison. Alors, il y a toujours Alex sur la plage. Je sais pas ce qu'il fait là, tout seul. Il broie du noir, peut-être, le petit. Je ne sais pas, mais il y a un problème. Hop, allez. Un corail. Et quel corail? Ah, un deuxième. Hop, allez là. Et deux coraux classiques. Ok. Bon, du coup, ça veut dire qu'on est coincé au niveau de la quête avec machin, qu'il nous faut 10 000 gold pour pouvoir améliorer notre maison. Là, on a une deuxième poulet qui est arrivée à la maison, donc il faut qu'on aille leur donner à manger. Ah, il y a Lewis. Je peux pas lui dire que c'est Marnie qui l'a, quoi. Ça serait un peu trop simple. Bon. Écoutez, on peut pas parler avec lui. Donc, écoutez, on va se barrer. Ah oui, mon pommier. J'ai toujours pas trouvé l'histoire de mon pommier, les amis. Ah ouais. J'ai vraiment hâte qu'on puisse cuisiner et tout. Donc, pour ça, ouais, il faut vraiment qu'on améliore notre maison. Parce que je trouve ça dommage, quoi. J'ai vraiment envie de faire des cadeaux aux gens et tout, d'être amie avec eux. Mais je peux pas faire... En gros, Marnie, il y a des choses qu'elle va aimer plus que d'autres. Donc, ça serait cool de pouvoir les faire. Vous voyez? Hop, on va aller voir notre petite poulet. Ah, on a notre premier bâtiment, vous imaginez. Enfin, je trouve ça fou. Bah. Ah si, ils sont tous les deux là. Salut. Poulette a l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Oh, c'est cool. Chicken a l'air curieuse, mais tout de même prudente. C'est un drôle de monde. C'est marrant parce qu'elle dit la même chose que Poulette quand elle est arrivée. Vraiment pas de personnalité, quoi.
Non, 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 non. Je vais ramasser la deuxième. Ah, si, ça va quand même nous donner pas mal de fruits. Écoutez, dès qu'on pourra faire... Il faut que je regarde pour faire les confitures. Attends, mais ils aiment les confitures, les habitants. Eh, vous savez quoi? On va se faire un deuxième coffre. C'est fou, mais on va se faire un deuxième coffre. Ce jour, on est marre de galérer. Hop. Hop. Et on va le mettre à côté de l'autre. Et il y en a un, on va mettre tout ce qui est un peu plus alimentaire et tout. Je sais pas trop. Tac, 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 tac. Tout ça. On va dire tout ce qui est un peu végétal en soi. Ouais. Ça, c'est pour faire les casse-croûtes. Ça, non. Tac, 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 tac. Yes. La sève également. Non, je veux pas le manger, je veux le ranger. Non, ça, on va le vendre. Tac, 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 tac. Le bois, non, on va le garder. Il va pas aller là-dedans. Voilà, donc ça, c'est fait. Hop, donc on va mettre tout ce qui est végétal là-dedans. Là, on va mettre tout le reste. Et j'ai un corail à vendre. Et j'ai envie de voir comment on fait pour utiliser tout ça. Parce que j'en ai un petit peu marre. Alors, Alors, comment on va s'en sortir? Donc, il faut faire le bac à conserve. Donc, il faut du bois, de la pierre et du charbon. Donc, en soi, le bois, je l'ai. Le charbon, je n'ai pas. Le caillou, je l'ai. Mais j'ai le four à charbon. Donc, le four à charbon que j'ai jamais réussi à mettre vraiment dehors. Tac. Voilà, on va bouffer 10 bois pour ça, mais c'est pas grave. Au moins, on aura ce qu'on veut à la fin. Et on va essayer de casser des arbres, histoire d'avoir d'autres glands. Hop. Parce que la vie ne vaut la peine que si on a des glands à manger. Nouvelle façon de vivre, les amis. Pour le moment, on n'a pas de cuisine. Donc c'est pour ça aussi que la cuisine, ça serait top. Hop. On a entendu notre petit chien. Alors, je suis désolée, ouais. On déblaye un peu le terrain et tout, mais voilà, c'est essentiel pour avancer. Donc là, on a deux poulets, donc va falloir, voilà, s'en occuper pour qu'ils grandissent. Bon, en tout cas, c'est cool parce que rien qu'en faisant ça, voilà, on récupère de quoi nourrir nos animaux. Et ça, c'est vraiment pratique. Du coup. On a eu... Ah, on en a qu'un de charbon en faisant ça. Wow. Et c'est des radins, hein. C'est des sacrés radins, hein. Alors, on va déposer ça. Ça. Ok. Du coup. Ça va être un peu long. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? Alors, au niveau de l'artisanat, qu'est-ce que l'on pourrait faire? On n'a plus de fertilisant partout. Faudrait qu'on en mette là où il n'y en a pas. Hop. Hop là. Donc là, il y en a déjà. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et ici non plus. Voilà. Donc je crois que là, c'est bon. Ça devrait être bon partout. Hop. Donc on a dit 10, hein. Bon, écoutez, je vais faire une petite ellipse en attendant d'avoir les 10, histoire de pouvoir faire ce bac à conserve et voir comment on peut s'en servir tout simplement pour commencer à faire des confitures, les amis. Alors, on se retrouve, donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut, donc on n'a plus qu'à crafter le bac à conserve. Et je ne sais pas. Alors, on peut le poser là, ok, et apparemment, on doit mettre des fruits. Alors, écoutez, on va essayer de mettre un peu cette mûre. Ok. Et on attend et ça se fait tout seul, c'est ça? Et il en fallait 8, il en fallait pas 10. Ok, donc j'ai coupé un peu de trop. Enfin, j'ai fait cuire un peu de trop. Bon, c'est pas grave, ça servira. De toute façon, le charbon, c'est jamais perdu. Donc il faut attendre. Donc nos petits poulets, ils font dodo, je suppose. Yes, elles essayent de dormir. On va les laisser tranquilles. Alors, dans la grotte, est-ce qu'il y a encore autre chose à ramasser? Non, on va les laisser tranquilles. Bon, je sais pas si c'est le jackpot d'avoir choisi les fruits, les amis, mais bon, au moins on aura fait un choix, écoutez. Est-ce qu'il aurait été judicieux? Je ne sais pas. Allez.
On va se casser un dernier arbre parce qu'on a encore un petit peu d'énergie. Ouais, je sais que je commence à fatiguer, je me doutais, mais au moins j'utilise toute mon énergie. Et il faut qu'on attende voir si on va obtenir quelque chose. Alors, hop. Hop, hop. Ok. Donc le bois ici. Tac. Ok. Bon, écoutez, je sais pas combien de temps ça va prendre ce truc. Ça fait des bulles, écoutez. Je pense qu'en vrai, il faut que je regarde au niveau de Robin, mais je pense qu'il faudrait. C'est la cuisine qu'il faut faire et pas la maison, je pense. Je pense clairement. Pour pouvoir progresser dans le jeu, histoire de pouvoir faire des cadeaux qui valent le coup. Ouais, je pense. Ouais, bah écoutez, j'ai pas envie qu'on se regarde comme ça dans le blanc des yeux. Ça tombe, ça va prendre un moment. On va aller dormir et je pense que bah ouais, l'épisode va s'achever là. Voilà. Il va vraiment falloir qu'on arrive à parler plus avec Marnie, histoire de devenir pote avec elle. Bon, voilà, on s'arrête là pour cet épisode. Donc, le bon qui nous a quand même rapporté pas mal. Bon, écoutez, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les suivants. Portez-vous bien, les amis. À demain pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.